Bonjour et bienvenue dans ce cours de cuisine. Alors, je vais vous inviter de cuisiner avec moi aujourd'hui du riz blanc. Oui, vous allez me dire, mais n'importe quoi, le riz, tout le monde peut le faire. Oui, mais en fait, je ne suis pas un cuisinier, je vais vous inviter tout de suite à faire une expérience avec moi. Et avant de vous parler de cette expérience, je voulais juste revenir à un sujet, le sujet de la loi d'attraction. Vous avez certainement entendu parler de la loi d'attraction, vous avez peut-être vu le film Secret, ou peut-être vous l'avez lu, et la pensée positive, etc. Il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, on va penser positif, il faut penser toujours positif, ça va aller, ça va aller. Alors, il y a beaucoup, en même temps, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. On pense à des choses, mais elles ne viennent pas. Alors, aujourd'hui, je voudrais tout simplement qu'on teste est-ce que nos pensées sont capables de changer la couleur du riz. Eh oui, j'ai entendu parler d'une expérience, j'ai vu aussi des résultats, mais je n'ai pas envie de les partager avec vous tout de suite parce que moi-même, je ne l'ai pas testé. Donc, je vous invite à tester en même temps que moi. Alors, comment qu'on va faire? Alors, commencez par cuire du riz. Le riz blanc surtout, le riz basmati, le riz thaï, le riz classique. Vous devez cuire du riz. Une fois que vous l'avez fait, nous allons le mettre dans les verrines ou dans les petits bols transparents. Alors moi, je suis déjà préparé. Voilà. Alors, comment qu'on va faire? On va prendre une verrine et on va mettre du riz dedans. Hop. Voilà. Donc, vous remplissez une verrine avec le riz. Et vous faites comme ça avec trois verrines. Et pourquoi trois verrines? Alors, une verrine va servir seulement pour être neutre. On va rien faire avec, on va juste voir qu'est-ce qui va se passer avec cette verrine. Et ça sera la verrine bleue. Donc, ça va être une verrine neutre. Ensuite, la verrine rouge. C'est la verrine, on va faire quelque chose avec elle. Et avec la verrine verte, pareil, on va faire quelque chose avec elle. Alors, c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut encore mettre de l'eau dans les verrines. Alors, moi, j'utilise un verre de vodka, mais bon, moi, je suis polonais. Mais bon, à boire avec modération. Voilà, on remplit les verrines avec l'eau. Voilà, maintenant, le riz va gonfler, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 2 semaines, alors 15 jours, nous allons penser à ces verrines. Donc nous allons nous mettre devant, vous mettez devant, et vous pensez à la verrine rouge. La bleue, on la laisse de côté. La verrine rouge, vous pensez à elle seulement que des choses négatives. Donc carrément, insultez-la. Vous êtes là et vous dites, mais vous dites rien. Vous pensez seulement à la verrine. La verrine verte, vous pensez que vous lui envoyez un message d'amour carrément. Donc, pensez que des choses, des bonnes choses, comment qu'elle est géniale, ainsi de suite, comment vous l'aimez, etc. Donc pendant 1 minute par jour, pas plus. Donc c'est une expérience qui va vous prendre très peu de temps par jour, mais je pense que les résultats, bon, je suis curieux de voir les résultats et je suis curieux de voir aussi propres expériences. Je pense que c'est la meilleure des choses, c'est de faire nous-mêmes des choses. Pareil pour la lecture rapide, pareil pour la mémoire, pareil pour tout ce que vous voulez dans la vie. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est l'apprentissage par action. Et c'est comme ça que vous développez votre compétence cognitive, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je commence tout de suite. Je vous invite tout de suite à commencer avec moi. Et on va voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça va donner. Donc, bien sûr, le riz, je suppose qu'il va noisir. Mais je suis curieux de voir est-ce qu'ils vont tous changer de la même manière. Voilà, voir nos pensées sur les riz. Je vous invite tout de suite à faire ça avec moi et vous pouvez toujours commenter ci-dessous, vous donner votre avis. Voilà, merci, à bientôt.